Qui veut prendre son baptême aujourd'hui? Who would like to be baptized today? Qui veut prendre son baptême? Who would like to get baptized today? Alléluia. Venez, 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 venez pour le baptême. Come up front, all those who want to get baptized. Venez. Come up front. Oh, la porte du ciel est ouverte. The glory of the Lord is open. Venez. Come. Venez. Come up front. Alléluia. Wow. Wow. Il est glorieux. He is glorious. Il est puissant. He is powerful. Il est magnifique. He is wonderful. Notre maître. Our master. Quelle grâce. What a grace. Oh, c'est une grâce. It is a grace. Que de suivre le Seigneur. To follow the Lord. Étant jeune. Being a young person. C'est une grâce. It is a grace to follow the Lord being young. Wow. Qui vous a invité ici? Who invited you in this place? Personne, je viens de Luxembourg. Je vous ai connu, ça fait maintenant 3 ans pendant le confinement. Et c'est la première fois que je viens assister. Et j'ai rêvé de venir une fois. Et ce qui m'a fait grâce, je suis là en fait. Wow! Bonjour. Hello. Ça va? It's the first time that she comes. Oh, ouais, toute mignonne, she comes ça va? Luxembourg. Oh, alléluia. Alors, il y a une Bible pour elle. On peut avoir There's une Bible pour elle, Laurent? For her. Pour eux, pour eux. Pour eux. All of them. Wow! Oui, pour ta sœur aussi. Il restait là-bas. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert TV de vie. Elle m'a amené, elle m'a envoyé la vidéo. Alors j'ai dit, mais dis-toi plus, tu m'as mis une Bible. Il n'y a pas de problème. My sister is also asking aussi. For the Bible. Attends. Et on a amené des Bibles aussi, non, des livres aussi. We brought some books. Amenez-moi Bible et livre. Along with the Bibles. S'il vous plaît. Bring them forward, please. Gloire au Seigneur. Le Luxembourg, faut bien qu'on fasse un tour là-bas si le Seigneur permet un jour. We shall go to Luxembourg. C'est la mort. The Lord allow this to happen. Franchement, Luxembourg, c'est grave. J'étais pendant 20 ans presque dans une église évangélique. Et c'est grâce à TV de vie que je suis sortie de là parce qu'en entendant l'émission Les églises de Satan, ça m'a ouvert les yeux et j'ai commencé à faire. Des songes que je n'avais jamais fait de ma vie. C'est comme si je découvrais le Seigneur après tant d'années perdues. Et quand j'ai essayé de mettre en garde les responsables en leur montrant l'émission, j'ai été attaquée par les pasteurs parce qu'ils n'étaient pas contents, le responsable. Il m'a tellement attaquée. J'ai remis tout entre les mains du Seigneur. L'histoire est tellement longue. En gros, ben, il est décédé. Et après, ben, le Seigneur m'a montré plein de choses. Comment une fois j'ai fait un songe. J'ai fait un songe qui m'a vraiment marqué. Ça correspond à l'enseignement du frère. Quand on est dans les églises, on perd sa robe blanche. Pourquoi? Parce que le songe que j'ai fait, quand j'ai découvert l'émission TV de vie, je commençais à prier. Les premiers songes que j'ai fait, je voyais, je rentrais dans cette église que j'étais. J'étais habillée en robe blanche avec ma couronne. Et il y avait ce pasteur qui était devant l'entrée avec sa femme qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Sors de là! Tu as déjà récupéré ta robe blanche et ta couronne. Sors, sors !» Et moi, je ne comprenais rien. Et après, je me suis réveillée, donc le Seigneur m'a montré, en fait, quand on est dans ces assemblées, on perd notre couronne, on perd notre robe blanche, on est dans les ténèbres, on ne se rend même pas compte, en fait. C'est une fois qu'on sort de là, que le Seigneur nous ouvre les yeux par sa grâce et on découvre beaucoup de choses. Vraiment, garder la parole du Seigneur, prier à la maison. Moi, ça fait 3 ans que je prie à la maison. Je ne veux plus mettre mes pieds dans une assemblée. Je ne veux plus. Mon pasteur, c'est Yeshua et point final. Voilà. Ça est venu. Waouh. Gloire au Seigneur. Alors, il y a cette... Comment ça s'appelle? Amar. Emma. Emma. Alors, Emma m'a demandé quelque chose. Emma asked me something. Tu veux le dire au micro? Oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chorale de fête. Et j'ai décidé de faire une chanson avec tous les enfants qui fait la musique avec nous. Et quelle chanson tu veux chanter? Encore et encore. Alors, she asked to sing a song with all the children. Emma souhaite chanter would like to sing encore et encore avec tous les enfants. A song called Encore et Encore with Alors, all tous the les enfants, children. Vous êtes invités. All venez, si vous le voulez. If you're willing to do so. Tu veux le micro? On va te passer le micro. Tu veux chanter aussi, hein? Alléluia. Comment tu t'appelles? Moi, j'ai un père et une fille pour mes amis. Amen.
Wow. Alors tous les enfants arrivent. Amen. The children are coming. C'est beau. Oui, oui. It's beautiful. Oui, oui. Tu peux. Deux, ouais, c'est vrai. Ok, donc je veux d'abord que tous les enfants viennent, quoi. Ok. Comment tu t'appelles? Manassé. Manassé. Ok. Rebecca. Monica. Elia. Isaïe. Déborah. Nathaniel. Christina. Myriam. Emmanuel. Amy. Attends. Tu t'appelles comment? Oui. Je m'appelle Chilo. Esther. Wesley. Michaela. Bethel. Emmanuel, Myriam, Christina, Nathaniel. Amy, Naïcha, Yoelia, Kathleen, Zoya, Destinée, oui. Esaïe, Léa. Moi, j'ai déjà la maison. Je suis Jura. Oui. Nathanaël. Contente? Oui. Gloire au Seigneur. Oh, bah, tiens, un cadeau pour toi. C'est où son...
le livret là pour elle. Ah ben gloire au Seigneur. Et voilà les enfants. Vous avez été. Vous êtes contents? Ah ben c'est parfait. Vous pouvez aller vous asseoir. C'est parfait. Eh bien, gloire au Seigneur, qu'on va vous baptiser, que le Seigneur soit béni. Alors, ça va toi? On s'est déjà vu, non? C'est ça, gloire au Seigneur. Et toi? Qui t'a invité? Pas la première fois. Eh bien, gloire au Seigneur. Et toi? Pas la première fois. Toi non plus? Ça va? How are you? Très bien. Qui t'a invité? We invited you in this place. Ta cousine. Oh, my cousin. C'est bien. Et toi? It's good. Ta maman? My mom. Gloire au Seigneur. Tout va bien? All good. Alléluia. Oh Seigneur. Come out of her. Let go of her. She's throwing you up. You have been making her suffer for many years. The Lord has seen your tears, your suffering. Oh, le Seigneur guérit son cœur. The Lord is healing her heart. C'est son jour. Today is her day. Au nom de Yahushua. In the name of Yahushua. Oh, Seigneur, tu es vivant. Lord, you live. Magnifique Saint-Esprit. Your wonderful Holy Spirit. Regarde, la présence du Père. See magnifique. The Father's presence. Oh, magnifique Seigneur. Wonderful Lord. Wow, c'est magnifique. You're wonderful. Wow. Allez-y au baptême. Go get baptized. Alléluia. Magnifique. Eh yeah, bien, c'est réglé. It has been taken care of. Wow.